Choubidou, je reviens aujourd'hui pour un haul. Alors, action. Mais je l'ai mis dans un gros sac Ikea. Alors, tout d'abord, j'ai acheté ceci. Alors, elle fait 1m80. Je vous dis ça. Mon Dieu. 1m40 par 1m80. J'ai pris vert parce que j'adore le vert. Si je peux la mettre aussi en blanc, c'est uniquement pour mettre sur mon lit, voilà, pour mettre en couverture sur mon lit, pour laisser tout le temps comme un couvre-canapé. Voilà, voilà. En fait, je l'ai acheté comme ça. J'ai demandé à la vendeuse, j'ai dit, écoutez, si c'est plus de 10 euros, je ne prends pas. Et en fait, la vendeuse me dit, c'est 9,95. Je fais, ah, bah écoutez, je vous ai dit moins de 10 euros. Donc voilà, je le prends parce que j'en ai vraiment, vraiment besoin. Il faut que je mette vraiment quelque chose sur mon lit. Puisque c'est un canapé lit. Hein. J'ai pris des Mellow Cakes. Bah ouais, je ne les ai pas mangés cette fois-ci. Hein. J'ai été assez raisonnable. Hein. J'aurais dû les manger et je ne les ai pas mangés. Donc j'en ai eu pour 1,10€. J'ai pris ces petits trucs-là au sésame. Je pense que c'est nouveau. Ces Astaps, ça me fait penser à des petits biscuits, je ne sais plus lesquels, mais qui sont très très bons et très chers. Et là, du coup, je ne sais pas combien j'ai payé. Alors là, sincèrement, je ne sais pas. J'ai repris, alors ça fait des années que j'en mange plus, mais j'ai envie d'en manger. 80 centimes, mon Dieu. Les fourrés aux abricots, c'est une tuerie. Regardez, franchement, c'est une tuerie. Je vais trop vite. Tu vas vite. Non, faut que j'aille moins vite. J'ai trouvé ceci. Alors, en fait, c'est une vinaigrette à base de balsamique et de tomate. Mais en fait, moi, mon truc, c'est que je vais la prendre. Mais c'est plutôt pour mettre dans la cuisine. C'est-à-dire que pour donner un petit goût un petit peu vinaigré, un petit peu acidulé, je vais mettre des petites gouttes comme ça dedans. Donc, c'est vraiment pour la cuisine. Ouais, c'est ceci. Je ne le connaissais pas du tout. C'est tout nouveau pour moi. Salade balsamique au jus de tomate. Mais sincèrement, je ne mangerai pas, en salade. Mais j'ai essayé, mais ça m'étonnerait. J'ai repris une petite coupelle comme ça, alors que je prenais pour Ivy, mais je peux très bien m'en servir pour moi aussi. Et donc, je me suis dit, ben, je vais quand même m'en servir aussi. Donc, 1,20€, quelque chose comme ça. Une petite bouteille de coca à 80 centimes. J'ai trouvé pour 80 centimes. Mais franchement, il est magnifique, regardez. Attendez. Mais c'est pour faire des cartes, hein, cette fois-ci. Hein. C'est pas pour... Ah, regardez ça. Non, mais regardez comme c'est joli. Franchement, moi, j'ai halluciné quand j'ai vu ça. Il y en avait avec des cactus, mais je me suis dit, les cactus, il y en a plein. Et que par contre, là, comme ça, avec la tour Eiffel, oh, mais il est magnifique, quoi. Il n'y en avait qu'un seul. Hein. Il y en avait plein, mais celui-là, il n'en restait qu'un. Donc, je me suis dit, je vais le prendre. Et je le trouve vraiment très, très joli pour 80 centimes. J'ai pris pour 80 centimes ces petits gâteaux. L'année dernière, je les avais pris. C'était une tuerie. Très, très bon. Donc, j'en ai repris 80 centimes. Pour 1,60€, c'est nouveau aussi. Je ne les connaissais pas. Ce sont des cacahuètes avec des noix de cajou. J'ai repris celle-ci. Alors, c'est pour la mettre en concours. Voilà. Donc, c'est celle avec laquelle je suis maquillée. C'est pas celle-là, hein, mais voilà, celle-là, c'est pour faire... Je la mettrai en concours. Je vais faire 3 concours. J'ai fait faire un concours Birchbox, parce que celle de mois d'octobre, je n'en voulais pas, donc je vais la faire gagner. Je trouve que mon rouge à lèvres, c'est une catastrophe. Il a glissé, c'est horrible. Et du coup, celle-ci aussi, je vais la faire gagner sur Instagram, par contre. Donc, soyez vigilants, allez sur Instagram, sur Sybille Choubidou. D'accord? Voilà. J'espère que vous allez bien, que ça va, que vous préparez les fêtes de Noël, parce que c'est vrai que ben, il faut les préparer. Puis de la recette de cuisine aussi, parce qu'on cuisine. Je cuisine beaucoup alors que je ne cuisinais plus. Et du coup, ben, sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous, likez, partagez. N'oubliez pas d'actionner la ding, 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 la petite cloche pour voir mes prochaines vidéos. Je remercie mes nouveaux abonnés parce qu'on est de plus en plus nombreux et ça, c'est génial. Et puis, des choubidous. Sur ce, ben, je vous dis I love you, je te quiero, te amo. Bye bye, ciao.